Bonjour à tous. Bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement du Vieux-Longueuil du 7 novembre 2023. Nous allons débuter. Il est 19h30 exactement. Je déclare cette séance ouverte. J'inviterai les personnes ici présentes à observer un bref moment de recueillement. Merci beaucoup. Nous allons débuter par l'adoption de l'ordre du jour au point 1.2. Y a-t-il des demandes de modification à l'ordre du jour? Non, merci beaucoup. L'ordre du jour est adopté. On est maintenant à la période de questions du public. Un petit rappel du règlement pour ceux à qui ça serait la première fois qui sont ici, en fait. Lors de la séance de questions, vous devez vous adresser en tout temps à la présidence. Vous devez vous adresser en tout temps à moi. Une fois votre question posée, il n'y a plus de période d'échange. On écoute simplement les élus qui veulent bien répondre à nos questions. Chaque intervenant, en fait, a le droit à une période maximum de 5 minutes pour vous aider dans votre gestion du temps. Je vais vous faire un petit signe quand il va vous rester une minute, tout simplement. Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient intéressées à poser des questions ce soir dans l'audience? Une personne? Parfait. Bien, écoutez, monsieur, je vais tout simplement vous inviter à vous avancer au micro, décliner votre identité et tout simplement poser votre question. Oui, bonsoir, M. Lévesque. Oui. Mon nom, c'est Astrid Gagnon. Oui. Je vous ai posé la question. Je la repose pour le bénéfice de tout le monde. C'est à propos du projet de 680 Côteauroux. Ah oui, pouvez-vous parler dans le micro? En fait, on ne vous entend pas à la télé. Je pense que le micro il est rétractable. OK. C'est correct? Est-ce que c'est mieux? C'est beau? Okay. Génial. C'est à propos du 680 Coteau Rouge. C'est à propos des dérogations mineures présentées pour ce projet-là. Mm-hmm. J'ai vu qu'on disait qu'on voulait permettre l'absence d'arbres au lieu de 8 arbres requis et aussi l'absence d'arbres à grand déploiement au lieu d'un arbre à grand déploiement au lieu 8 mètres linéaires. Vous m'avez expliqué que on avait demandé ces dérogations-là parce qu'il y avait des arbres à côté. Exact. Mais peut-être que ça pourrait être indiqué dans les commentaires, parce que si moi, je suis un membre du public, je lis ça, j'ai l'impression qu'on ne veut pas avoir d'arbres. Puis je pense que ouais. C'est pour ça que je suis ici ce soir, parce que je pense que c'est bien qu'il y ait des arbres. Mm-hmm. Et puis, je me demandais aussi une autre question, c'est qu'on doit faire approuver les dérogations mineures pour un projet, comme pour le 680 du Coteau Rouge, mais en fait, on n'explique pas c'est quoi ce projet-là. Fait que peut-être qu'il pourrait avoir genre un petit paragraphe explicatif que c'est un projet de logements sociaux pour 30 habitations... deux étages, ou, expliquer un peu la nature du projet, parce que ce qu'on voit, c'est une adresse, c'est tout. Puis même si j'ai fait une recherche Google avec cette adresse-là, j'ai rien trouvé. Alors, vous m'avez dit que c'est juste rendu public après l'adoption ici, mais moi, ce que je comprends, c'est que c'est une fois que tout est adopté, c'est public, mais ça serait bien d'avoir une idée de c'est quoi les projets. Mm-hmm. Pour les quelques personnes qui lisent ces documents. Je comprends. Alors, c'était tout. Bien, un petit peu, tu sais, juste pour revenir à vos arbres, un petit peu pour le bénéfice des gens qui sont ici, en fait, c'est qu'il y a déjà plusieurs arbres à grand déploiement qui sont déjà présents, en fait, dans la prise de la voie publique de la ville, sur la rue Bourassa et sur le chemin du Coteau Rouge. Donc, il n'y avait tout simplement pas l'espace requis en train de planter d'autres arbres. C'est la raison pour laquelle, en fait, que justement, en fait, il n'y en a comme pas d'autres dans les faits. Puis, vous m'aviez aussi, je crois, demandé la question à propos des containers. Puis, en fait, c'est parce que le recours à des conteneurs de type semi-enfoui qui offrent une plus grande capacité de stockage que les conteneurs au sol permet de réduire le nombre de conteneurs requis. Donc, c'était essentiellement la réponse pour les conteneurs pour la question que vous m'aviez posée. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'on avait des questions sur le web ce soir, Mme Lagriffière? Oui, on en a une.
Je vais vous laisser aller poser les faux questions. La première. Mais, parfait. Donc, M. Pierre Sénégal, qui pose une question concernant le bilan de la piétonnisation de Saint-Charles. La rue Saint-Charles est fermée à la circulation des véhicules de juin à octobre au profit de certains commerces au lieu de leur octroyer un permis de terrasse sur le trottoir. Le bilan de cette politique a-t-il pris en considération l'impact sur les personnes âgées à mobilité réduite qui doivent se déplacer à pied de l'arrêt d'autobus sur la rue du bord de l'eau jusqu'à leur commerce local sur Saint-Charles-Ouest? Forcer des gens âgés à se déplacer sur plusieurs mètres à pied pour avoir accès à leur pharmacie ou leur épicerie sur Saint-Charles est-il compatible avec une ville MADA, qui est municipalité amie des aînés? Merci beaucoup, Madame la greffière. Monsieur Larocque. Oui, alors, premièrement, merci, M. Sénégal, pour votre question. En fait, le bilan, en général, la piétonnisation fut très, très positif. On est très heureux de tout ça. Avec la nouvelle société de développement commercial aussi, ça va aider à bonifier l'expérience dans les années à venir. Donc, oui, en gros, c'est positif. Maintenant, pour ce qui est des gens qui sont à mobilité réduite, premièrement, je suis un peu surpris de la question parce que il n'y a plus de circulation, la rue est dégagée, donc ils ont plus de place pour circuler naturellement. Et puis, d'autant plus qu'il y a des études qui sont faites chaque année, il y a des promenades qui sont faites par des gens, des comités de gens qui sont pour l'accessibilité universelle et qui repèrent les endroits qui pourraient être problématiques pour les gens à mobilité réduite, dont les aînés. Alors, ce n'est pas un problème, ça a été pris en considération. Et s'il y a des ajustements à faire, ils vont être faits parce que c'est très important pour nous. Alors, pas d'inquiétude de M. Sénégal. Merci. Merci beaucoup, M. Larocque. Madame Mercier. Merci, M. le Président. En complément à ce que mon collègue Sylvain a mentionné, j'ajouterais qu'il y a aussi des rampes qui ont été ajoutées sur la section piétonne, dans le fond de la rue Saint-Charles, des rampes qui permettent aux gens qui sont à mobilité réduite de passer du trottoir à la rue, donc pour circuler librement entre les différents restaurants, les différentes terrasses. Donc, en plus des marches exploratoires, il y a aussi cet équipement-là qui a été ajouté par la Ville pour les personnes à mobilité réduite. Merci. Merci beaucoup, Madame Mercier. Plus de réponses? Non, parfait. C'était la dernière question, Madame la greffière. Donc, écoutez, c'est ce qui me fait à la période des questions du public de ce soir. J'aimerais remercier tout le monde qui a posé une question à la séance de ce soir. Nous allons maintenant poursuivre l'ordre du jour avec le point 1.4, approbation d'un procès-verbal. Oui, donc on propose d'approuver le procès-verbal de la séance du Conseil de l'arrondissement tenu le 10 octobre dernier. Merci beaucoup, Madame la greffière. C'est adopté. Point 2, administration et organisation. Point 2.1, nomination des membres. On propose de nommer les personnes suivantes, membres du comité consultatif d'urbanisme. Donc, les membres élus, M. Carl Lévesque, président, Mme Marjolaine Mercier, vice-présidente, M. Carl Ferraro, membre, M. Jonathan Tabara, membre, et les membres citoyens, Mme Liette Bouchard, Mme Roxane Comeau, Mme Florence Morin-Lorrain, et Mme France Pellerin et M. Marco Duplessis. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 2.2, dépôt du procès-verbal. On procède au dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 septembre. Merci beaucoup, c'est déposé. Point 3, communication. Point 4, finances. Point 4.1, octroi d'une subvention. On propose d'octroyer une subvention de 750 $ au club optimiste Fatima Longueuil pour leur activité de Kyoton qui a eu lieu en septembre 2023. Merci beaucoup, Mme Lécrivière. C'est adopté. Point 4.2, octroi d'une subvention. On propose d'octroyer une subvention de 8 000 $ à partager entre les 8 organismes suivants qui sont tous membres de la table en sécurité alimentaire du Vieux-Longueuil pour l'achat de denrées périssables dans le cadre de l'opération Noël 2023 qui aura lieu en décembre. Donc, équipe service quartier Saint-Vincent-de-Paul, 500 $ groupe Action Nouvelle-Vie, 500 $ l'entraide chez nous, 1 000 $ la croisée de Longueuil, 2 500 $ le repas du passant, 1 500 $ partage Saint-François-de-Sales, 1 000 partage Saint-Robert-de-Longueuil, 500 $ et ressources Saint-Jean-Vianney, 500 $ Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 5, ressources humaines. Point 6, biens matériels et services. Point 7, biens immobiliers. Point 8, réglementation et affaires juridiques. Point 8.1, demande à la ministre.
Oui, on propose de demander à la ministre des Affaires municipales d'accorder à l'arrondissement du Vieux-Longueuil un délai supplémentaire de 12 mois à compter de son autorisation pour l'adoption de tout règlement assurant la conformité de ses règlements d'urbanisme au nouveau plan d'urbanisme révisé de la Ville de Longueuil. Merci beaucoup, Mme Lagriffière. C'est adopté. Point 8.2, approbation d'une entente. Il est proposé par le président d'approuver l'entente avec le centre Petite Échelle concernant la réalisation de camps de jour estivaux spécialisés pour les enfants ayant des besoins particuliers pour les années 2024 à 2027 inclusivement et d'autoriser la greffière à signer cette entente. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 8.3, approbation d'une entente. Oui, approuver l'entente avec l'Association des parents et des handicapés de la Rive-Sud métropolitaine concernant un prêt de locaux pour les années 2024, 2025 et 2026, d'octroyer dans le cadre de cette entente une subvention de 3 113 $ pour 2024, 3 206 $ pour 2025 et 3 302 $ pour 2026 et d'autoriser la greffière à signer cette entente. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 8.4, approbation d'une entente. Il est proposé d'approuver l'entente avec la Croisée de Longueuil concernant la réalisation du marché saisonnier du Vieux-Longueuil pour les années 2024 et 2025, d'octroyer dans le cadre de cette entente une subvention de 13 000 $ et d'autoriser la greffière à signer cette entente. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 8.5, adoption du second projet de règlement. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement VL 2023-820 modifiant le règlement sur le zonage afin de réduire à 0 mètre la marge avant minimale à la grille de la zone C22-374 et d'ajouter une disposition spéciale à la grille de la zone H22-380. Merci beaucoup, Mme la greffière. Point 8.6, un avis de motion. Qui donne l'avis de motion? Mme Mercier. Merci, M. le Président. Je donne un avis de motion qu'un règlement sera présenté pour modifier le règlement VL-2013-560 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, le PIIA, du secteur de Lemoine, afin d'encadrer la modification d'un bâtiment principal construit avant 1940 ou possédant une valeur patrimoniale potentielle ou reconnue et d'apporter divers correctifs. Merci beaucoup. Madame Bombo-Alara, votre micro est allumé. Donc, il n'y avait pas de questions. C'est bon, c'est adopté. Point 8.7, adoption du projet de règlement. On propose d'adopter le projet de règlement VL 2023-821, modifiant le règlement relatif au PIIA du secteur de Lemoine. Ça vise l'avis de motion qui vient d'être donné par Madame Mercier. Donc, c'est le même projet de règlement. Et on délègue à la greffière le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 9, circulation et transport. Point 10, aménagement du territoire et urbanisme. Point 10.1, période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour le 329 de la rue Darvaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des questions sur les dérogations mineures du 329 de la rue Darvaux? Non? En l'absence de questions, Mme la greffière? Oui. Donc, oui. Donc, on propose d'accorder une dérogation mineure au règlement sur le zonage pour permettre au 329 rue Darvaux l'aménagement d'un minimum de 3 cases de stationnement au lieu de 4. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 10.3, période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour le 842 de la rue Laviolette. Est-ce qu'il y a des questions ici par rapport aux dérogations mineures du 842 rue Laviolette? Non. En l'absence de questions, Mme la greffière, point 10.4, octroi d'une dérogation mineure. Il est proposé d'accorder une dérogation mineure au règlement sur le zonage pour permettre au 842 rue Laviolette une marge arrière minimale de 8,04 mètres au lieu de 9 mètres. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 10.5, période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour le 845 chemin de Téfaine. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions sur la demande de dérogation mineure pour le 845 de la rue Téfaine? Pas de questions. Donc, Mme la greffière, 10.6, octroi de dérogation mineure. On propose d'accorder des dérogations mineures au règlement sur le zonage pour permettre au 845 chemin Téfaine des baies de plantation d'une largeur minimale de 3,6 mètres. En bout des allées simples dans la portion de l'aire de stationnement adjacente au chemin Téfaine, au lieu d'un minimum de 5 mètres de largeur. Une aire de stationnement comprenant un minimum de 110 cases au lieu de 139 cases.
Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 10.7, approbation d'un plan d'implantation. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 10 arbres, à la plantation de 51 arbres, à l'aménagement paysager, à l'aménagement d'une aire de stationnement et à la construction d'un agrandissement du bâtiment institutionnel situé au 845 chemin Téfine. Le tout est conditionnel à l'octroi des dérogations mineures et à la condition qui est stipulée au sommaire décisionnel. Et le requérant doit déposer sa demande de permis de construction dans un délai de 24 mois. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 10.8, période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour le 680 chemin du Coteau-Rouge. Est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient s'exprimer dans le cas de la... Oui, Mme Mercier. Oui, merci, M. le Président. Je vais juste profiter de ce point-là pour faire un commentaire en lien avec la question qu'on a reçue en début de séance. En fait, on a demandé à savoir où était l'information concernant le détail du projet. En effet, quand vous arrivez dans la salle ici à l'accueil, vous avez accès à l'ordre du jour qui est imprimé, là, qui tient sur peut-être 4 ou 5 pages. Mais l'ensemble des documents et l'ensemble du contenu des documents du conseil de ce soir, du conseil d'arrondissement, sont disponibles en ligne. Donc, si vous allez sur le site web de la Ville de Longueuil, vous tapez « Conseil d'arrondissement Vieux-Longueuil », vous allez sous « Date des séances »,« Ordre du jour » et « Procès-verbaux ». Là, vous avez accès au document de séance complet. Aujourd'hui, il a 264 pages. C'est pour ça que vous ne voyez pas imprimé à l'accueil ici. Puis c'est là que vous avez le détail du projet. Là, ça détaille que c'est un projet de développement social qui a bénéficié notamment de subventions, programmes d'accès logis, avec une première phase de 30 logements avec l'organisme Le Repas du passant. Donc, il y avait plus de détails, mais c'est déposé en ligne, là, dans le fond, sur le site de la Ville avant le conseil d'arrondissement. Merci. Merci beaucoup, Mme Mercier. Point 10.8, donc période d'intervention sur la demande de dérogation mineure pour le 680 Coteau-Rouge. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle par rapport à la dérogation mineure du 180 du Coteau-Rouge? En l'absence de questions, Mme la greffière, octroi de dérogation mineure. On propose d'accorder des dérogations mineures au règlement sur le zonage pour permettre au 680 chemin du Coteau-Rouge, la construction d'un bâtiment mixte avec l'absence de cases de stationnement au lieu de 15 cases, l'absence de cases de stationnement pour personnes à mobilité réduite au lieu d'une case, une superficie de la mise en commun de l'aire d'agrément de 1154 m² au lieu de 1512 m². L'absence d'un tablier de manœuvre requis pour l'espace de chargement, des conteneurs semi-enfouis situés à 0,207 mètres d'une ligne de terrain au lieu d'un mètre, l'absence d'un local intérieur pour les conteneurs à déchets, l'absence d'une dalle de propreté, l'absence d'arbres sur le terrain au lieu d'un minimum de 8 arbres et l'absence d'arbres à grand déploiement en marge avant donnant sur la rue Bourassa et en marge avant donnant sur le chemin du Coteau-Rouge au lieu d'un arbre à grand déploiement qui devrait être planté aux 8 mètres linéaires. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 10.10, approbation du plan d'implantation. Il est proposé d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à l'abattage de 2 arbres, à une opération cadastrale et à la construction d'un bâtiment mixte de 4 étages situé au 680 chemin du Coteau-Rouge. Le tout est, selon les commentaires qui sont émis par les directions et le rapport et les plans qui ont été déposés, le tout est conditionnel également à l'octroi des dérogations mineures, à la plantation de 2 arbres dans l'emprise de la voie publique, en marge avant sur la rue Bourassa, à l'emplacement de l'entrée charretière existante à l'aire de stationnement et à l'autorisation de la Direction des travaux publics. Et le requérant a un délai de 24 mois pour déposer sa demande de permis de construction. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 10.11, approbation du plan d'implantation. On propose d'approuver le plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à la plantation de 2 arbres à grand déploiement et à la construction d'une habitation trifamiliale de structure isolée située au 1341, 1343 et 1345 rue Saint-Alexandre, selon la proposition numéro 3 aux conditions qui sont stipulées au sommaire décisionnel. On exige comme condition préalable à la délivrance du permis de construction le dépôt d'une garantie financière de 6 800 $ pour garantir la réalisation complète des travaux de conservation et de plantation d'arbres et la réalisation complète de l'aménagement paysager. Et le requérant a un délai de 24 mois pour déposer sa demande de permis de construction. Merci beaucoup, Mme la greffière. C'est adopté. Point 11, averses diverses. Point 12, clôture. Point 12.1, période d'intervention des membres du Conseil. Nous allons commencer ce soir par M. Marc-Antoine Azouz.
Oui, merci, M. le Président. Donc, je n'ai rien à rajouter ce soir. Merci. Merci beaucoup, M. Azouz. Mme Melba. Une excellente soirée à toutes et à tous, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Melba. Mme Melaïcha. Merci, M. le Président. Simplement, souligner qu'aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on a été élus pour l'ensemble des collègues. Alors, je remercie, bien sûr, les personnes qui nous ont accordé leur confiance cette journée-là. Et je pense que depuis, on travaille tous très fort à servir la population de Longueuil. Puis j'en profite pour remercier aussi les personnes qui sont présentes dans la salle ce soir. C'est toujours agréable de voir qu'il y a des citoyens qui s'intéressent à notre travail puis qui prennent le temps de venir un soir de semaine pour nous entendre puis voir ce qu'on tente de faire pour la ville de Longueuil. Alors, merci et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Belaïcha. Mme Mamboara. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vendredi dernier, le 3 novembre, j'étais accompagnée de certaines de mes collègues, Mme Balma, Mme Delisle, au Messina, juste ici à côté, pour célébrer, en fait, souligner les 30 ans de service de Mme Josée Dugas, qui est directrice générale au Centre bénévolat de la Rive-Sud. Donc, c'est une très belle soirée où plusieurs bénévoles étaient présents, des proches de sa famille, le monde du politique. Donc, il y a eu plusieurs témoignages de l'implication de Mme Dugas depuis ces dernières années. À Longueuil, on a un très grand privilège d'avoir un beau tissu social. Mme Dugas fait partie, ainsi que son organisme, et on tient à ces gens-là qui s'impliquent depuis plusieurs années. Donc, je tenais à souligner son dévouement et la remercier une fois de plus pour ce très, très bel engagement. Puis, elle nous a promis qu'elle était encore là pour quelques années. Et je joins ma voix à ma collègue Madame Belaïcha, 2 ans. 2 ans de très beau travail. Il y a plusieurs accomplissements qu'on a vus au travers de ces 2 années-là. Il y a encore pas mal de travail à faire. J'aimerais simplement dire à mes collègues, je suis très fière du travail qui est fait sur une base quotidienne. Et je nous souhaite encore deux très, très belles années. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Madame Bobo-Alara. Monsieur Larocque. Merci, Monsieur le Président. Alors, je tiens à dire moi aussi que je suis vraiment fier de ce qu'on a accompli en 2 ans. Ces gens-là que je ne connaissais pas, que je n'aurais jamais rencontrés autrement dans ma vie, aujourd'hui sont devenus importants et se réalisent dans ce travail. Et puis, je trouve ça vraiment touchant, vraiment admirable. Avant de terminer, je veux juste rappeler que le marché de Noël au Parc Saint-Marc va ouvrir officiellement le 24 novembre, c'est le vendredi. Alors, ne manquez pas ça, parce que chaque année, c'est toujours fort agréable. Les gens adorent, et puis je vais y être moi-même. Alors, venez me voir, venez me jaser, et venez assister à cette grande ouverture annuelle. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, M. Larocque. Madame Mercier. Merci, M. le Président. Mais tout comme mes collègues, je tiens à souligner notre arrivée aujourd'hui à la mi-mandat. Il y a beaucoup de choses qu'on a réalisées en 2 ans à peine, puis qui démontrent bien, je crois, nos intentions puis notre volonté politique. Localement, ici, tout près, on parle souvent de la piétonnisation de la rue Saint-Charles. Il y a eu beaucoup d'événements culturels et de loisirs qui ont été ajoutés à la programmation. Ça a été aussi le retour en force des festivités de la fête nationale, autant dans le Vieux-Longueuil qu'à Saint-Hubert. Le déploiement du réseau Bixi, qui était tant attendu depuis par plusieurs citoyens. Plus récemment, l'annonce de notre plan de protection de conservation de 1 500 hectares de milieux naturels. Donc, il s'est succédé plusieurs belles annonces tout au long de ces 2 dernières années. Ce soir, on voyait aussi, dans le fond, la construction de nouveaux logements sociaux et abordables. Donc, ce n'est que le début, mais déjà, la mi-mandat, on peut dire qu'on a de belles réalisations et qu'on est très présent sur le terrain, toujours à l'écoute des citoyens, que ce soit dans les différents événements où vous pouvez nous croiser ou encore au bout du fil, par courriel, on est toujours disponible et merci pour votre confiance. Bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Mercier. Écoutez, à mon tour, en fait, de m'exprimer et de dire essentiellement un grand merci aux citoyens du district du Coteau-Rouge, en fait, pour ces 2 ans de mandat, en fait, ce soir. Je considère réellement que c'est un privilège que vous m'avez fait de m'élire en tant que pour être votre représentant à l'Hôtel de Ville. C'est un privilège que je prends à cœur. En fait, je trouve que c'est comme vraiment, vraiment
très, très formateur et on apprend, c'est un boulot pour n'importe qui est une personne curieuse. C'est un boulot absolument formidable pour apprendre plein de nouvelles choses. C'est une très, très belle expérience de vie. C'est un très beau manège, puis je me sens privilégié que vous m'ayez donné la chance de vivre ça pour vous. Aussi, ce soir, j'aimerais beaucoup, en fait, saluer tout le travail de nos équipes à l'interne, travail des élus, travail des gens du cabinet, pour justement avoir réussi à mettre sur pied le projet Un toit pour tous. On sait, des logements sociaux, la crise du logement, c'est quelque chose qui manque énormément, en fait, dans notre communauté. Beaucoup de monde ont vraiment fait un super de beau travail sur ce projet-là. Donc, merci encore une fois aux équipes de la ville, aux élus, à nos GRT, aux groupes communautaires qui ont œuvré sur ce projet-là. C'est un très, très grand accomplissement pour moi de voir ce projet-là réalisé ce soir. Sur ce, merci beaucoup. Je mets fin à cette assemblée.